39 de la série. Et aujourd'hui, nous allons continuer le système à paysan, j'allais dire, à villageois. Mais avant, j'ai quelque chose à vous montrer parce que j'ai pas mal travaillé. Qu'est-ce que c'est, Kate? Voilà. Un petit lag, hein, c'est rien. J'ai pas mal travaillé, donc comme vous avez pu le voir, j'ai continué le château, j'ai mis le toit. En ce moment, je suis en train de travailler sur la tour à mob. J'essaye de l'améliorer en fait pour qu'elle soit plus productive, parce que dans Minecraft, en multijoueur, quand vous avez des dispensers, tout ça, donc qui répand l'eau, quoi. En multijoueur, le système restait souvent bloqué en fait, et il continuait à avoir de l'eau, donc les mobs ne spawnent pas dans l'eau, et du coup ça empêchait la machine de fonctionner. Donc du coup j'ai ramené les coffres ici, j'ai fait cette petite chose là, donc du coup comme ça les coffres ils sont bien là, et puis je vais en profiter d'ailleurs à la tour à mob de faire le système. Pour faire une tour XP, donc tour XP, ça veut dire que en fait je vais faire remonter, en fait je vais appuyer sur un bouton, donc un bouton qui se trouvera je sais pas où, qui mettra donc de l'eau, donc je vais aller en bas, comme ça sera plus simple pour vous pour comprendre. Donc merde, oui, donc j'essaye avec des pistons en fait. Donc on va aller en bas. D'ailleurs on m'avait enlevé le système là. Donc du coup l'ascenseur marchait pas et je me demandais pourquoi en fait mes entonnoirs ne se remplissaient plus, mais en même temps ici c'était bloqué. Donc du coup voilà, alors je vous allais pas voir grand chose, j'ai pas de torche en plus. Est-ce que je peux te piquer la torche qui est là? Merci. Ah petit bug. Alors voilà, ici en fait, et je vais appuyer sur un bouton qui fera donc avec le dispenser mettre de l'eau ici. Donc un courant d'eau, qui ensuite le courant d'eau va faire remonter les mobs dans un ascenseur à mobs, qui ensuite triera les mobs. Donc les araignées je m'en fiche un peu, donc elles iront au feu, elles iront au diable, voilà. Qui ensuite remontera donc les creepers, les squelettes et les zombies, voilà. Et du coup ça me fera de l'XP, parce qu'après je mettrai donc un grinder. Donc ça les tuera, les affaiblira. Voilà, on est tombé ici. Voilà, ça les affaiblira, et du coup on aura juste à les taper ou jeter une potion de faiblesse ou de soin, je sais plus, pour les zombies c'est de soin, et voilà, on n'aura plus qu'à jeter une potion et puis on aura tout l'XP. Voilà, donc voilà, ça c'est en cours de projet, je suis en train de travailler dessus. Sinon donc comme vous pouvez le voir là en face, il n'y a plus de montagne. Raser la montagne, ça m'a pris pas mal de temps, hein, malgré que j'avais une pioche, donc j'ai dû utiliser 3-4 pioches en diamant jusqu'au bout, hein, avec efficacité 5. Hein. Au départ, j'avais touché de soie, puis au final, après, j'ai commencé à prendre sans toucher de soie pour avoir un petit peu de cobble. Donc voilà, quoi, ça m'a pris énormément de temps. D'ailleurs, j'ai pas fini, vous voyez, il me reste encore un peu de terre à mettre là. Ben voilà, c'est tout récent, vous voyez. Hein. Il reste encore de la dirt qui est en train de faire pousser l'herbe. Voilà. Donc d'ailleurs j'ai aussi découvert une caverne, donc là il faudra que j'aille l'éclairer pour l'usine à mob, parce qu'ici ça fait encore contact il me semble, enfin c'est encore trop près de ma tour à mob, quoi. Pour qu'elle soit 100% efficace, il faut encore que j'éclaire toutes ces cavernes là. Donc voilà, ça c'est fait, la montagne on n'en parle plus. Je vais pouvoir construire quelques maisons autour, ça fera le bâtiment moins... Voilà quoi, le bâtiment sera moins seul. Et du coup j'ai aussi alors par contre ça va être le bordel en bas, parce que j'ai pété les vitres. Pourquoi? Pour échanger en fait, vu que le système est parfait. Mais vous voyez, ça marche très très bien, il y a plein de villageois. Ceux-là c'est des nouveaux, hein. C'est pas les vieux, hein. Il y a 2-3 libraires qui sont tout neufs. Donc voilà, c'est un peu le bordel. D'ailleurs j'ai peut-être un nouveau fermier, il me semble que j'en avais vu un tout à l'heure, hein. Donc voilà, mais j'ai des villageois qui proposent pas mal de trucs et des trucs sympas. Donc du coup aujourd'hui voilà, j'ai décidé de faire le système pour les remonter et donc les stocker en haut. Alors j'ai mis le bloc parce que les villageois ils peuvent monter aux échelles et j'ai pas envie qu'ils se barrent.
Donc du coup aujourd'hui je vais travailler là-dessus. Je vais faire comme on a fait dans la dernière vidéo, je vais faire le système, tout ça. Puis je vous reprends juste après pour explication et vous montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une mort. Donc la première mort. La première mort. Non, officiellement c'est pas la première mort. Mais c'est la première mort depuis qu'on a remis les compteurs à zéro en fait. Donc, je vais vous mettre le passage de pourquoi je suis mort. Comme ça me laisse le temps de faire tout ça. Et puis comme ça vous fait pas une coupure directe en fait. Voilà quoi. Donc je vous mets ça et puis on se retrouve juste après pour explication et pour vous montrer le système. Allez, à tout de suite. Ah. Eh bien, re tout le monde, donc voilà, j'ai quasiment fini le système. Bon, la déco, je sais pas si je vais garder ça parce que je sais pas encore, j'ai mis ça pour provisoire. Donc, voici en gros le système. Donc, comme vous voyez là, vous avez des. Comment on peut dire? Des. Enfin, ici, là, de la place. Donc, les villageois vont être dans des mancartes. Donc dans les minecarts qui vont stocker ici, après il n'y aura plus qu'à appuyer ici pour faire au suivant, et ici pour les balancer dans la lave. Donc en gros le système c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, c'est des rails, système tout con, donc des rails, voilà. Et puis ici, donc une torche, et puis une poudre de stone, donc la torche qui sert à laisser en fait la trappe comme ça, donc la trappe elle est en position basse, et quand j'appuie en fait, quand j'appuie, voilà, en fait ça donne un léger coup et puis du coup ça fait poser le villageois, puis après ça le fait tomber et ça le fait au suivant. Donc du coup comme ça le refait remonter comme ça, tac 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 tac, et il reva en haut en fait. Donc c'est des dalles, pourquoi? Pour pas qu'il suffoque dans les blocs, voilà. Donc c'est pas un système qui vient de moi, ça j'avais trouvé ça, je sais plus c'est qui le créateur, mais c'est pas un système qui vient de moi, voilà, tout simplement. Donc ensuite, pour la lave, ben moi j'ai fait en fait tout le long là, je peux peut-être vous montrer, donc voilà, tout le long là, ça rejoint ici un bloc là, merde, c'est pas grave, j'en ai plein. Ça rejoint donc à un moment donné à une intersection qui balance dans le minecart, et puis ensuite qui revoit, qui fait déposer le villageois dans de la lave, voilà. Et ensuite le minecart revient et puis il va dans un truc de stockage que je vais aller vous montrer qui est ici. Donc vous voyez là, on peut voir tout se rejoint là, c'est un peu le bordel en rail. Et ensuite donc le minecart va revenir ici et il va se faire capturer par un cactus et puis hop dans un coffre que je vais disposer ici pour garder les minecarts. Donc ensuite il me reste encore le système pour les faire remonter là-bas jusqu'en haut. Là ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que tu fais toi? Non, descends. T'es qui en plus? Descends, descends. Ouais. Tiens, hop, comme ça tu montres pas. Donc, voilà en gros ce que c'est, ce que j'ai fait, et voilà. On va mettre des torches pour qu'aucun zombie spawn. Hein. Et puis voilà, donc, en gros c'est ça. Là je sais pas encore comment je vais faire, donc l'ascenseur, à mon avis je vais faire avec un courant d'eau, l'ascenseur va être là au coin, qui ensuite les reprendra peut-être dans la minecart. Ouais, minecart là, qui ensuite, je sais pas en fait. C'est ça le problème. Ah ouais, mais si, attends, là je les ferai stocker ici. J'ouvrirai la minecart et puis ouais, je vais voir encore, j'ai pas encore trop réfléchi la question. Dans tous les cas, ça fonctionne. On a quasi fini là-dessus. Qu'est-ce qu'il me reste donc à faire? À mettre des cadres avec un seau de lave et puis ici une flèche pour dire suivant. Puis sinon, voilà. Si, j'ai rajouté de la lumière sur le toit du bâtiment là pour que ça arrête de spawner. Donc, voilà tout simplement. Je vais le finir, je vais faire ces motifs et puis voilà. Il me reste plus que ça, et puis le bâtiment là sera, excusez-moi, sera opérationnel, sera fonctionnel, tout. Voilà, on n'aura plus qu'à en profiter des villageois et puis voilà. De temps en temps, je viendrai faire le tri et puis je mettrai de nouveaux villageois. Enfin voilà.
Techniquement, dans un espèce de box, là, on peut contenir 3 villageois. 3-4 villageois. Donc ça va m'en faire déjà pas mal, quoi. Tout, 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 tout. Ben sinon, que dire de plus? Pour la vidéo, on a terminé. Enfin, j'ai terminé. Le système, voilà, si vous voulez le reproduire, franchement, il n'est pas compliqué. Hein. Bon, là, j'ai dû mettre un bloc, mais vous pouvez mettre un bloc normal avec un levier, ça fonctionnera pareil, quoi. Voilà, je vous laisse regarder le système, mais c'est vraiment tout simple. Hein. Là, hop, un, puis ensuite vous montez de deux, puis en un, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, chers amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode de Minecraft. Allez, sur ce, bye bye!